Ok, je sais que tu attends ce tutoriel depuis très longtemps déjà, mais je te prie de prendre encore 5 secondes pour le liker. Voilà, donc si c'est fait, on peut commencer. Alors cette fois, nous allons nous intéresser à l'application, au site internet, à la plateforme Paytin, qui est une interface de paiement en ligne, on va dire ça vulgairement comme ça. Elle est disponible sur App Store, Google Play et désormais sur navigateur. C'est-à-dire, bon, navigateur, vous savez, PC maintenant, mobile et tout et tout. Voilà, donc, comment faire pour utiliser l'application Paytin? Il faut logiquement créer un compte. Voilà, on va cliquer sur Ouvrir mon compte. Et là, on voit Bienvenue sur Paytin. Voilà, donc, on va cliquer Ouvrir mon compte. On va juste marquer son numéro de téléphone. Par exemple, moi, c'est plus 237, etc., etc., vu que je suis au Cameroun. Et l'inscription se fait exactement comme celle de WhatsApp, c'est-à-dire on t'envoie un code, tu entres le compte, le code et tu es inscrit. Voilà, ou trop, je crois qu'on va te demander un code secret aussi. Mais bon, vu que moi je suis déjà inscrit, je vais plutôt chercher à me connecter. Voilà, donc connexion. Je marque mon numéro de téléphone. Suivant. Voilà, donc une fois que le code est envoyé. Voilà, il est envoyé sur mon portable, je vais le saisir. 483 905. Ok, on est suivant. Et là, vous avez la très jolie interface d'ailleurs de Paytin. Vous pouvez déjà consulter là mon solde principal, 1739 francs, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Et mon solde sur ma carte Visa. Voilà, donc le but du tutoriel étant de vous montrer comment vous allez faire des achats en ligne. Je vais directement vous montrer comment créer une carte Visa, vu que c'est à partir de cette carte-là que vous allez être capable de dépenser bon, votre argent sur Internet. Donc, on va cliquer sur recharger. Voilà, je prends l'exemple de vous qui n'avez pas de crédit sur votre compte. Donc, on va cliquer sur recharger. Recharger votre compte Paytin avec Mobile Money. En fait, ce mode de paiement si est fait en fonction de votre lieu de résidence, voilà, parce que bon, étant au Cameroun, là on a choisi Mobile Money et avec ce Mobile Money là, vous allez recharger un certain montant. Bon, moi j'ai rechargé pour être sûr que les frais de paiement de la carte devaient être suffisants. J'ai rechargé 7800, mais je vous conseillerais de faire un peu moins. Voilà, faire dans les 7000, voilà, 7000 minimum. Avec ça, ça pourra largement encaisser les frais de paiement de la carte. Voilà, donc vous allez mettre le montant là, cliquez sur suivant et comme je l'ai dit, en fonction de votre pays, il y aura une méthode de paiement précise. Dans mon cas, c'est avec Monnaie Bill. Voilà, paiement avec MTN Mobile Money et Orange Money. Mais petite précision pour le Cameroun, il y a un problème avec le Cameroun, avec Orange Money notamment. Voilà, ça passe pas encore avec Orange Money, c'est plutôt avec MTN Mobile Money que c'est vraiment propre. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai pu tester mon activité. Donc on va fermer Monnaie Bill ici, on va fermer ceci. Donc comment faire maintenant pour créer une carte Visa à partir de Paytin? C'est très simple, vous allez juste aller sur l'onglet carte. Une fois sur carte, créer une nouvelle carte. Je vous rappelle que c'est quasiment la même chose, si ce n'est même plus facile sur mobile, parce que sur mobile tout est plus simple, tout est plus allégé. Donc ce que vous allez faire avant, voilà, vous allez cliquer sur le tarif que vous souhaitez. Mais il est clair que c'est plus rentable de prendre une carte qui va faire 3 ans à 12 euros qu'une carte qui va servir qu'à une transaction et qui va vous coûter 3 euros. Donc vous allez cliquer sur la carte et avant de créer la carte, ce que vous allez faire vous, c'est que vous allez entrer un code promo. Voilà, le code promo vous le retrouverez où? Une fois que vous serez inscrit et que vous aurez saisi votre adresse mail, oui, je crois que c'est un paramètre supplémentaire pour l'inscription. Voilà, il vous sera envoyé quelques notes d'information. Voilà, par exemple ici, avec ce mail de Paykinsi qui te fait part du code promo. Voilà, dans mon cas, c'est Love to Paykin. Peut-être ce sera différent avec vous, je ne sais pas. Donc, consultez vos mails et vous aurez votre code promo. Donc vous allez entrer votre code promo et l'activer avant de cliquer sur créer une carte. Ensuite il y aura un petit processus de chargement et on vous dira si tout s'est bien passé, que la carte a bien été créée.
Donc, une fois la carte créée, vous allez encore aller une fois dans carte et vous verrez ici toutes les informations de votre carte. Ici, les informations sont floutées, voilà, naturellement, parce que je ne veux pas que certains s'amusent à aller faire n'importe quoi avec ma carte bancaire. Donc, c'est à ce point, si vous avez déjà créé votre carte bancaire et elle est 100% valide. Maintenant, lorsque vous voulez effectuer un paiement en ligne ou enregistrer votre carte bancaire, vous allez entrer ces informations en plus d'autres informations que vous aurez toujours dans votre boîte mail. En l'occurrence, de celle-ci. Voilà, où on vous montre comment lier votre carte Visa Paykin à votre compte PayPal. Voilà, c'est 16 informations que vous allez utiliser si on vous les demande un jour. Donc, pays, États-Unis, ville, San Francisco, ainsi de suite. Voilà, code postal, adresse et tout. C'est ces informations-là que vous allez entrer au moment du paiement. N'oubliez pas, ce sera hyper important en plus de ces informations-ci. Voilà. Donc, une fois que vous aurez tout là, c'est-à-dire, bon, on va faire un petit résumé. Vous allez recharger 7000 francs. Vous allez aller créer une nouvelle carte. Bon, choisir, c'est ce que je vous conseille, la carte de 12 €. Entrez votre code promo avant de créer la carte. Ensuite, revenir dans carte. Regardez les informations pour ensuite les entrer dans un site marchand sur lequel vous voulez vous inscrire, par exemple, ou acheter un produit directement. Donc, c'est avec cette méthode que j'ai pu notamment lier un compte PayPal. Voilà, à ma carte, voici la fin qui est 1781, vous pouvez la vérifier ici, 1781. Voilà, j'ai pu lier à PayPal et si vous vous demandez comment créer un compte PayPal, quel que soit le pays, j'ai fait une vidéo là-dessus que je posterai dans la description de la vidéo, de cette vidéo-ci. Voilà, donc j'ai lié mon compte PayPal ici et j'ai aussi lié ma carte à mon compte Google Play. Voilà, à mon compte Google Play, là vous pouvez le voir. Ça, c'est pas simple. Vous verrez aussi que j'ai eu à faire quelques achats, quelques petites dépenses que vous verrez ici. Voilà, Netflix, service Google. Ça, c'était quand j'enregistrais ma carte sur le Play Store. Ça, c'est avec PayPal. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Alors, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, hein. Maintenant, vous pourrez acheter tout ce que vous voudrez. Que ce soit des gemmes sur Clash Royale ou d'autres jeux, des tutoriels payants, des e-books payants, tout, des applications premium, des abonnements Netflix, Canal Sat, je crois, et tout le reste là. Voilà, donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Je sais que vous avez attendu ce tutoriel depuis déjà très longtemps parce que moi aussi, ça va faire quelque chose comme 6 ou 7 mois que je cherche toujours sur cette application, mais elle ne marchait pas trop. Cette fois-ci, elle est de retour et ça marche super bien. J'ai déjà tout testé pour vous. Vous n'avez qu'à vous inscrire, à suivre les inscriptions de la vidéo et tout ira bien pour vous. Donc, si tu as apprécié la vidéo, c'est simple. Tu sais ce que tu vas faire, tu lâches juste un petit pouce bleu et tu la partages surtout. Donc, c'était MightyFake et on se dit à la prochaine. Ciao.